on joue de la musique, on doit jouer les bonnes notes au bon moment, mais on doit aussi faire les bons silences au bon moment. Tu auras remarqué dans la méthode qu'il y a un petit signe dessiné pour dire « chut, silence ». Celui-là, on l'appelle le soupir et il dure un temps, aussi longtemps qu'une noire. Donc si je joue « noir, silence, noir », ça fait « noir, noir ». Dans le morceau qui va suivre, on va donc alterner des notes et des silences. Mais attention parce que sur la guitare, quand je joue une note, si j'appuie pour faire le silence, il faut que j'arrête d'appuyer, mais que mon doigt touche toujours la corde. Comme ça, ça l'empêche de vibrer. Par contre, quand je joue une corde à vide, elle continue à résonner jusqu'à ce que je l'arrête. Donc, dans l'exercice qui va suivre, regarde bien ma main gauche. À chaque fois qu'il y a un soupir, je coupe le son des cordes. Sur la deuxième ligne, on commence par un silence. Du coup, je vais donner un décompte avec 3, 4, et on commence à jouer. Donc n'oublie pas ce petit silence. Et attention à la main gauche, bien mettre les bons doigts dans les bonnes cases. 3, 4. Attention à la fin, il y a deux blanches. Donc la blanche dure deux temps pendant lesquels la note doit résonner. Alors que quand on fait une noire plus un soupir, ça fait aussi deux temps, mais la note ne résonne que pendant la noire. Ensuite,